Dans l'épisode précédent d'Ultralune, nous avons vaincu les ténèbres, Mimiki, la Team Skull et l'effrayant boss de la troisième île. Mais la lumière éblouit plus que l'ombre et les méchants se relèvent être le paradis Aizer, la société protectrice des Pokémon. J'ai vaincu tous ces sbires et grimpe au sommet de la tour. Je suis à quelques pas de la fin, mais le scénario sera-t-il exactement le même que Soleil Lune? Vous le saurez en 15 minutes chrono. Une rencontre mère et fille. Mais dans ma grande mansuétude, je te pardonne. Je sauverai le monde et toi, avec que tu le veuilles ou non. Vous sauverez le monde, mais de quoi parlez-vous? C'est pour cela que vous sacrifiez Cosmog, mère. C'est bien cela. Je vais pousser son pouvoir au-delà des limites de son corps, et il est possible qu'il n'y survive pas. Mais si cela permet de sauver le monde et tous les Pokémon qui vivent, alors je n'hésiterai pas un seul instant. Ne t'inquiète pas, Lily, son sacrifice ne sera pas vain. Je serai gré de t'être occupé de lui jusqu'à présent. Elle est moins méchante que dans le Soleil et Lune. Parce que là, elle veut sauver le monde au moins. Alors, que pensez-vous de ma petite collection personnelle? C'est ici que je garde mes tendres petits Pokémon pour l'éternité. Oh, Romulus! Non, pas toi. Non, Pikachu! Non, comment c'est possible? T'as vraiment une collection de merde quand même. Non, Cosmog! Non. Encore une ultra chimère. Mes Pokémon ne sont pas soignés. Il n'y avait aucun moyen de les soigner. Et je suis pas prêt. Oh là là, cette classe. Je vais me faire défoncer, mais avec tellement de plaisir. Allez, mais c'est une boule, je compte vraiment sur toi, là. Toute la France te regarde. Réussis ton coup de jus. On est mal. On est officiellement dans le gros caca. Mais il tanque même pas une attaque qui est pas très efficace. Ah, je suis tellement dans la merde. Oh putain, elle a encore des hydrocanons. Oh, la fermeté qui fait plaisir. Mais ça va pas le tuer en un coup. De toute façon, il a une défense de malade. Waouh, ça fait rien du tout. Dark Lariote. Ça fait très mal. C'est bon, j'ai l'avantage sur elle. Si je joue la montre, ça devrait le faire. Oh non, je suis l'ours. Il faut prier qu'il ait la capacité qui le rend vulnérable au feu. Il faut prier que ça marche. Oh, je l'ai. Oh, je vais le tuer. Oh. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, j'ai eu tellement peur. Kassan! Non! Oh! Non. Il s'est éveillé à son nouveau stade d'évolution. Son apparence a changé, mais il ne bouge plus. Nous n'avons plus rien à faire ici. Partons, cet endroit me donne le cafard. On peut aller peut-être sauver les Pokémon qui sont cryogénisés, non? Enfin... Quoi? Vous voulez envoyer quelqu'un dans votre monde? Dites-nous comment on va faire ça. Vous pourriez ouvrir notre ultra-brèche. Il existe un hôtel à Pony. On peut y invoquer un Pokémon, celui qui invite la Lune. Nous l'avons chevauté pour venir jusqu'ici. Ces deux amateurs n'ont absolument aucune chance de capturer Necrozma. Vous avez bien trop confiance en vos tactiques de combat Pokémon, vous autres humains. Une fois qu'il sera réveillé, Necrozma aura soif de lumière et il viendra ici. Dans notre monde, il n'y a aucune lumière. L'ultramélagolopole est plongé dans les ténèbres. Jadis, les ténèbres qui régnaient sur Alola furent repoussées par la lumière.
Malgré toutes nos recherches, on n'a pas réussi à déterminer son origine. Enfin, tout ceci est une autre histoire. Au revoir. J'ai acheté ces habits à Malier, mais j'ai l'air de quoi? Donald, est-ce que tu peux être vilain parfois? Moi qui ai passé des arrêts de chaussures. Bonnie, tu es si mal, Bonnie. Waouh, c'est beau. Ça, c'est tellement la classe. L'île n'est presque pas habitée, tout est envahi par la végétation. Oh, la championne! Qui êtes-vous? Une artiste, une fille en L. Oh Léa, regarde, c'est vraiment le nom d'une fille en L. Bon, il faut qu'on aille sur l'île de noix de coco. Ça. Timonier, qui m'appelle? Timonier, tu ressembles à un personnage random. Oh bah attends, Lily nous accompagne pas là. Oh bah non, il n'y aura pas la scène de romance. Oh mon dieu, ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait très très peur. Ouh, ça fait mal. Allez, je vais te capturer pour la peine. Je vais l'appeler Lima Ongle. Je sais pas pourquoi ça me rappelait une lima ongle. Enfin non, une pince à épiler. D'aucune lima ongle. Logique. La flûte est à moi. Oui. La flûte lune. Oh, comme par hasard. Oh, c'est beau. Et là, j'ai ma petite amie qui m'accompagnait. Peut-être que j'aurais dû dire que je voulais pas y aller tout seul, elle m'aurait accompagné, j'aurais eu la petite scène de romance, voilà, mais non, j'ai cliqué sur A. Putain, je suis dégoûté, quoi. Moi, je veux de la romance, quoi. Un bon jeu vidéo, il y a un kiss, un ou un moment ou un autre. Bon, il n'y a plus qu'à traverser le Grand Canyon de Pony. Par contre, il se peut que ça grouille de dresseurs, de vrais chiens dents. Ils viennent tous pour s'entraîner, ça va pointe de la tarte de l'hôtel. Toi aussi, Lily, accroche-toi. Et vous en faites point, si ça barre, on viendra à la rescoute avec mon fidèle Bourrinos. Ouais, Coli, je vais faire de mon mieux pour aider Donald. Oh, le Manitou, il évolue enfin, putain, putain, j'y pensais pas. Oh là là. Oh mon dieu. Le Manizone, enfin, il va rien me servir dans ce lieu, parce que... Non, l'électricité, en fait, ouais, il y a le type assis aussi, putain. Oh là là, enfin. Enfin un Pokémon puissant, mon dieu. Ouh, je l'ai tellement évité. Ah, le fameux tronc d'arbre. Wouhou ! Putain, j'adore cette zone en fait. On arrive à la fin de la zone. Cette fameuse descente avec plein de dresseurs à combattre. Lily, viens. Ah, oh, merci. Merci Lily, t'es la meilleure. Pour une fois, je suis content que tu sois là pour soigner mes Pokémon. Vas-y, soigne-les. Maintenant. C'est l'heure de l'épreuve du dominant. Vous déchiffrez à grande peine un texte gravé à la même la pierre. Toi qui entres ici, abandonne toute arrogance. Tu es le seuil de la terre de l'épreuve. Cet endroit est réservé aux braves, car entre ces murs, il te faudra trouver le courage d'affronter le Pokémon dominant. Mon dieu, le Pokémon dominant. Vous prenez le cristal. Oui. Non. Non. Oh, il est immense. Mon dieu. Et j'ai au moins une chance de gagner. Kaiser dominant. Toutes ces stats. Ah là 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 là. Bon, Pollock. J'ai besoin de ton croc de givre là. Togo, je compte sur toi. Togo. Togo. Oh là 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 là. Il manque plus que 6 AX. Oh non, le bâtard. Oh le gros bâtard.
Oh, ça passe. Yes. Yes. Bravo, Dogo. Dogo, Dogo, Dogo. Combo hyper fury. La victoire est totale. Le Pokémon dominant a été vaincu. Oh là 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 là. La jeune dragon. Oh. Oh, la jeune dragon. Et voilà les amis, c'est sur ça qu'on va se quitter après cette victoire qui a été pas du tout facile. On a dû XP pas mal ces Pokémon, mais là, Dogo, il a vraiment fait plaisir. Si t'aimes aussi les chiens, laisse un like. Non, je... Pire façon de demander des likes. Non, le like de l'amour, la cloche de l'amour, l'abonnement ici. Ça fait toujours plaisir. Merci encore de suivre aussi nombreux, j'espère, ce let's play. Allez les amis, prochaine fois c'est Lunala. Ciao!